François-Xavier Benami qui a du mal à décoller hein, dans, dans les sondages, dans le dernier baromètre OpinionWay pour Europe 1 CNews et le journal du dimanche, il plafonne à 8% d'intention de vote. Derrière une Valérie Ayé à 16% et un Jordan Bardella à 32%, si le leader RN l'emportait, ce serait une grande désillusion pour la majorité et pour les Républicains. Alors dans les deux camps, on pense déjà à l'après-élection européenne et Alexandre Chauveau, l'idée d'un accord de gouvernement entre les deux formations semble refaire surface. Officiellement, les Républicains menacent toujours de censurer le gouvernement pour absence de sérieux budgétaires. Plusieurs députés du groupe sont déterminés à appuyer sur le bouton. D'autres rêvent plutôt d'en faire un instrument de pression pour contraindre Emmanuel Macron à nommer un Premier ministre LR. Éric Ciotti s'oppose publiquement à toute coalition, mais en privé, le président des Républicains ne fermerait plus la porte à une forme de cohabitation avec François Baroin ou Gérard Larcher par exemple à Matignon. L'hypothèse circule depuis un dîner en mars dernier à l'Elysée entre le président du Sénat et le chef de l'État, Nicolas Sarkozy, continue en tout cas de plaider pour. Yael Braun-Pivet, elle, anticipe déjà une défaite de son camp le 9 juin et appelle, sans citer LR, à tirer les leçons du scrutin. Bref, le projet a ses défenseurs. Certains s'y opposent néanmoins avec vigueur, Laurent Vauquier notamment, qui y verrait un cadeau fait au RN, alors seule alternative à droite au gouvernement en place. Beaucoup d'élus, enfin, sont sceptiques sur les réelles intentions d'Emmanuel Macron, qui a souvent laissé circuler l'idée sans jamais réellement tendre la main. Alexandre Chauveau du Service politique d'Europe.